Linda Vanina a 23 ans. Elle accomplit depuis quelques mois la formation d'assistante d'assurance auprès de la Souva à Bellinzone. Après avoir passé sa maturité, elle a opté pour ce cursus de 18 mois. Je voulais faire un apprentissage de commerce à la Souva. La Souva m'a alors proposé la formation d'assistante d'assurance. Je suis la première à accomplir cette formation à l'agence. La proposition m'a paru intéressante car le cursus ne dure que 18 mois et il a l'avantage d'être largement axé sur la pratique. En tout, je ne passe que 30 jours à l'école. Cette filière m'est ouverte parce que j'ai déjà la maturité en poche. E me l'hanno proposta perché avevo già appunto la maturità federale del liceo e quindi ho accettato. Lors des contacts directs avec la clientèle, Linda Vanina peut mettre en pratique la théorie des cours tout en apprenant à conseiller les clients en situation réelle. Il faut donc qu'elle maîtrise son sujet en ce qui concerne l'indemnité journalière, les frais de traitement, les primes et les sinistres. C'est précisément ce contact avec les assurés qui fait le charme de cette formation. J'apprécie beaucoup de travailler en équipe. Mes collègues m'épaulent chaque fois qu'ils le peuvent. Je me suis aussi fait des amis. J'aime le contact avec les gens en général et donc avec les assurés. Je les aide volontiers lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile après un accident. Faire quelque chose d'utile pour les assurés m'apporte une satisfaction personnelle. C'est un plaisir pour moi. Il fatto di poter aiutare e far qualcosa per loro mi dà molta soddisfazione anche personale. Pour plus d'efficacité, Linda Vanina a un formateur à ses côtés. Michele Minotti l'accompagne sur le chemin qui fera d'elle une assistante d'assurance. Linda Vanina aimerait continuer à travailler à la Souva après sa formation. Je me plais beaucoup à la Souva. J'aimerais rester ici car je trouve le travail génial et les relations avec le team sont excellentes. Je souhaite parfaire ma formation et progresser au sein de la Souva. Avant cela, il lui reste à accomplir encore quelques mois d'une formation très proche de la pratique. Une fois les examens passés, Linda Vanina aura en poche un certificat professionnel et un certificat de travail de la Souva.